Salut tout le monde! Salut! On vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une personne grimée à ma gauche. Très bien grimée d'ailleurs, vous noterez le travail très recherché, très délicat et très raffiné. Bah non, mais si tu baisses tes lunettes, ça ne marche plus en fait. Vous avez été beaucoup à nous dire sur Instagram que vous vouliez voir la vidéo dégustation aux États-Unis et avec mon copain et pas moi toute seule. Visiblement, vous en avez marre de me voir toute seule, dites-le. Moi je le dis. Même lui le dit, donc voilà. Donc du coup c'était la bonne alternative, moi qui n'avais pas trop envie de le montrer, même si honnêtement ça change pas grand chose, je me suis dit ça me rassure un petit peu, c'est un juste milieu, je suis contente, voilà, fin de l'histoire. Donc on est allé acheter pas mal de trucs dans une petite épicerie supermarché qu'on a trouvé. Donc là on est à New York actuellement pour une dizaine de jours de vacances, on vous a fait pas mal de vlogs, allez les voir si jamais c'est pas le cas et que vous les avez pas encore vus. Mais c'est bien, ils commencent à prendre le geste. On vous les met juste au-dessus et du coup je vous ai aussi demandé sur Instagram si ça vous intéresserait de voir une vidéo de dégustation de produits américains. J'ai jamais fait ça sur la chaîne, j'avais parlé de bouffe vraiment sur la chaîne en fait, même si j'adore ça. Donc du coup vous avez été tous quasiment, ou presque à nous dire oui on veut. Donc du coup... La voici, la voilà. Arme-toi de ton sac, muchacho. Donc on a acheté pas mal de trucs, globalement des conneries. Que des conneries, ouais. Il y a du sucré, du salé, des boissons, des trucs. Et donc on va vous montrer un petit peu nos réactions en direct. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur la chaîne, ça sort complètement du scope habituel de beauté, mode, voyage et tout. Mais je pense que ça peut être rigolo. Ouais, là c'est genre shit meal. Mais ça va être rigolo. Comment devenir gros et avoir plein de boutons. Voilà. En 5 leçons. Ok, donc on commence par quoi? On se fait genre... salé ou sucré? D'abord salé. Ouais. Ok. Alors, sortons tous les trucs. On va tout sortir et après on a aussi pris des boissons, vraiment atroces. Je pense qu'on va terminer cette vidéo. Les toilettes sont juste à côté, je pense qu'on va aller vomir bien comme il faut. Ça va être sympa cette histoire. T'as du salé là sur le coude? Ouais, ça aussi c'est salé. Tu choisis ce par quoi on commence. On commence par un truc classique. On commence par un truc pas trop difficile. On a pris des trucs un peu genre les trucs que vous trouvez aux États-Unis et qu'il faut tester, genre les Reese's, ces trucs un peu de base. Et des trucs qui nous tentaient parce qu'on les trouve pas en France et on s'est dit ça a l'air chelou, on va tester. Honnêtement, je suis hyper compliquée au niveau de la bouffe donc j'ai pas trop voulu tenter des trucs trop bizarres non plus parce que j'ai pas envie de me tuer pour une vidéo, ce serait quand même con. Vas-y, je te laisse présenter le produit. Ça pue. C'est quoi? C'est des Pringles extra hot. Chili and lime. Sens-moi ça. Ouais, ça sent la mort. Voilà. Est-ce que t'as vu la couleur de ce truc? C'est vrai que ce soit rose ou rouge. C'est la même couleur que... Oh, c'est immonde. J'allais dire un truc dégueulasse, mais je dirais pas. Je sais que tu voulais dire. C'est atroce. Exactement cet effet, c'est énorme. Ouais. Mais ça, c'est bien, ça va nous anesthésier la gueule en commençant. Bon bah du coup, c'est des Pringles qui piquent, qui arrachent sa mère. Qui arrachent sa race, mais bon, c'est vraiment moche. Vraiment. Ouais, ça sent très très fort. C'est dommage qu'on puisse pas vous retranscrire les odeurs à travers la caméra parce que c'est immonde. Vas-y, chin. C'est pas bon. Ah, ça pique beaucoup à la fin. Ah, avec beaucoup. Ah. Au début, j'allais dire ouais, c'est des chips normales et en fait, c'est en train de m'anesthésier la gueule. Bon. Y'en a plus. On prévoit bien les vidéos, nous. Y'a plus d'eau. Y'a plus du tout. Y'a rien. Zéro. Sérieusement? Ah, c'est dégueulasse. Non, et surtout que j'ai besoin d'eau là. Ok, bon, on va souffrir en silence. Franchement. Ça m'a anesthésié. Ouais, c'est ça, mais en fait, je pense que si t'aimes les trucs qui piquent, c'est canon, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que comment tu fais pour en bouffer? Genre une, ça suffit quoi. Pas très bon. C'est pas incroyable. Mais c'est des chips qui piquent et qui sont chimiques quoi. Enfin, la couleur, elle. Elle en dit long. Aussi. Elle en dit long sur la chose. Donc, c'est un gros goût de. Je sais pas, de citron piquant, c'est très bizarre. C'est pas bon. Le tout l'amour. Des Ritz Bits. Cheese. Ça a l'air dégueulasse aussi. Putain, c'est tellement chimique. Tu peux montrer le truc. Ça a l'air chimique, mais en même temps, ça a l'air mignon, tu vois. Ouais, genre, ça a l'air tout doux. Ça, ça a pas l'air. Oui, la couleur du fromage en orange. Ouais. Bah, comme tout ce qu'il y a. Oui, il faut savoir que le fromage ici, c'est rarement du grand. Du grand cru. Du grand cru de fromage. Premier réflexe. Ça sent rien. C'est en plastique. Ouais, ça sent en plastique. Mauvais signe. C'est tout petit. Tu es mignon. Ouais.
Ouais, mais tu vois, je sais pas si vous verrez la couleur du truc, mais genre le fromage ici c'est du cheddar en grande majorité, c'est toujours un truc orange fluo, genre ouais, presque la couleur de ta casquette quoi. Vas-y. En vrai, c'est des biscuits quoi. T'as avec un goût de fromage. J'aime bien. Ah, c'est des biscuits d'apéritif, mais ouais. Genre, il y a rien de comment ça s'appelle? C'est des tubes quoi. Ouais, mais je sais pas aussi des fromages. Ouais, aucun goût de fromage. C'est juste. Ouais. Hyper mal poli de par la bouche. Ça va être compliqué en même temps. C'est juste archi salé, genre. Je pense que tu. Putain, on aurait dû prévoir le loin. Hum. Après, on pourra aller trouver un fake pour un poil. J'aime bien. Je vais finir par vomir tout à l'heure. Allez, c'était pas bon. Ça c'est pas mal. Ah, ce serait cool qu'on mette une note. Mettre une note par rapport à quoi, je sais pas, par rapport aux autres podcasts que tu connais? Non mais genre sur 10. Ah, ok, juste de manière générale. Ouais, genre une note. Ça 4. 4 sur 10? Ouais. Aucun intérêt. Enfin. Ouais, après je pense que. Ouais, c'est ça, moi j'aime pas les trucs typiques, donc j'aurais genre 3 aussi. Mais est-ce que j'ai encore le truc sur la langue là? Ouais, ça je mettrais, j'aime vraiment bien, enfin on dirait des tucs en fait, ça a pas trop d'intérêt, tu sens pas le fromage, mais j'aime bien, je dirais 7,5. Moi je dirais 6. Ah ouais, ça me va? Bah c'est pas que c'est pas bon, mais... Pas d'intérêt quoi. Ouais, quand c'est au fromage, ça a pas du fromage. Fait avec du vrai fromage. Du vrai fromage américain. Même les hamburgers ici sont pas fait avec du vrai fromage. Ouais. Ensuite, tiens. Présente en même temps. Hein. C'est des pop-corn au cheddar. Ouais, je pense que ça va rien, enfin il va y avoir le goût de rien. Ouais, ça aura goût de plastique. Odeur. Oh, ah, c'est bizarre. Ça sent un peu les pieds. Non? Ça sent le popcorn et un truc bizarre avec. Ah, ça sent le popcorn qui est là depuis 6 mois quoi. Ouais, non, mais ça sent le popcorn avec du fromage pourri, avec du fromage pourri. Ouais, je suis sûre que ça va pas être bon. Tu sens quand même un arrière-goût ouais. Dégueulasse. Oh, mais tu imagines, t'emmènes ta meuf au ciné avec ça. Ouais. Genre, premier date, tu veux la pécho. On aurait dû faire ça. Mm. Ah, c'est non, c'est dégueulasse en fait. Mange en plusieurs. Ça laisse un goût immonde dans la gueule. Ouais, plus t'en manges, plus ça a du fromage. Ouais. Mais du coup, c'est véridique. Enfin, tu vois, un vrai goût de fromage si t'aimes le cheddar, c'est pas déceptif, quoi. Non. Bah, j'ai pas de dégueu, c'est juste écœurant, quoi. Ouais, c'est écœurant, très vite. C'est très grave. C'est gluten free. Ouais, ouais. Ça a du potentiel en fait. C'est dégueu. Mais tant qu'à être dégueu, c'est addictif, tu vois. Ouais, c'est par rapport à ce qu'on a mangé tout à l'heure. Ouais. Moi, 6,5. 6,5. Je garde quelques merdes pour plus tard, on sait jamais, c'est des bonnes surprises. Ouais, bah. On va manger un autre. Ouais. Après, il y a un truc qu'on avait acheté l'autre soir et qu'on a déjà ouvert, du coup, donc c'est un peu un fail. Mais comme on l'avait sous le coude, faut qu'on vous en barre. C'est les Cheetos Crunchy. Mmh. Il faut qu'on vous parle de la couleur du truc. Vous voyez le packaging? La même couleur. Là. Même couleur. Est-ce que t'as déjà vu des chips comme ça, genre? C'est orange fluo. Je me rappelle plus du coup. C'est un kilo à nuit, je crois. C'est immonde. Ça fait une semaine qu'ils sont rentrés quand même. Non, mais vraiment dégueulasse. Non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est immonde. Ça ne boit rien. C'est juste un mauvais goût. C'est du sel, genre. C'est juste un mauvais goût. Avec du real cheese aussi apparemment, alors il n'y a aucun goût de fromage là-dedans. Donc combien de calories cette merde? Pourtant j'avais bon souvenir moi de ça. Ah ouais? J'ai mangé ça, mais tu sais les vrais pas les crunchy, les grosses épaisses. Oh mais c'est au cheese, elles sont jaunes normalement. Ouais, elle a de l'orange aussi. J'ai jamais goûté. Ça avait un bien meilleur goût que ce truc là. Ça avait du goût quoi, ça avait du goût, rien. J'ai envie de boire un litre et demi d'eau là. Ouais. Attends. Tu veux prendre une boisson? Ah ouais? Bonne idée, on va couper avec une petite boîte. Le mec il remet le packaging correctement. Il travaille pour la marque. Hein. On sait jamais. Ça du coup je mettrais un moins 3. Un moins 3 ? Un moins 3. C'est-à-dire que non seulement c'est pas bon, mais c'est pas bon. Tu vois ce que moi, je veux dire ? Moi je donne 2. Ah ouais, ça me dégoûte ça. Moi je fais des chips américaines. À boire. On va prendre un truc à boire. Pas mon truc bizarre. Pas ton truc. Regardez la couleur des trucs qu'on a pris. Alors moi j'ai choisi, c'est quoi ? Un thé cranberry lemon. Un thé organique. Alors ici il y a des rayons. Désolé si la couleur change les gars, mais j'ai pas ramené naturellement mes parapluies, donc il n'y a pas de lumière artificielle, donc c'est la lumière de New York. Tu vois, dans 5 secondes il va se mettre à pleuvoir de ouf. Non. T'étonne pas.
Donc c'est un espèce de thé qui est censé être organique. Ici, il y a des rayons remplis de trucs un peu gluten free, organique, machin, qui sont censés être bons. Et à chaque fois qu'on goûte un truc, c'est un fait. C'est dégueulasse. Donc du coup, c'est encore plus chimique que le truc normal. Ouais. Ça, là aussi, on a acheté. Ouais. On a bah, acheté. C'est le même principe. Hein. C'est la même chose. Ouais. Bon, on avait acheté ce truc. C'est une espèce. De... C'était censé être une infusion à la grenade. Antioxydant infusion à la grenade. C'était mais chimique. Ça avait un goût dégueulasse. Enfin bref. Ça avait un goût de sucre mauvais. On est de mauvaise foi quand même. Après on va dire ah, tu fais que de plantes dans tes vidéos. Je me désabonne. C'est pas gentil. Bref, donc assez parlé, cranberry lemon. Donc j'ai bon espoir. De toute façon je pense que tout sera bon après ce qu'on vient de manger. En fait là on va avoir une espèce de faux truc parce que comme on a des goûts chelous dans la bouche. Déjà ça sent mauvais, je suis désolée de te dire ça mais. Bah ça sent plus que ce que ça goûte. Qu'est-ce que ça goûte? C'est mon côté belge qui ressort, désolé. Ça, je veux dire. En fait, ça sent super fort, mais quand tu vois, c'est de l'eau quoi. Ça pue, hein. ça sent extrêmement fort. Ça sent la piscine à Tunis. Oh. Ça a la même odeur. Ah bon, bah ça donne envie. Ça donne le même goût d'ailleurs. Ah. Tu t'aimes pas? En vrai, c'est. Non, ça pue vraiment, mais par contre, je trouve pas ça dégueu quand tu le bois. Non, c'est pas mauvais, mais t'as pas trop de goût en fait. C'est de l'eau avec un tout petit peu de cranberry et de citron quoi. C'est comme le truc, c'est quoi? Bah c'est ça, c'est là-dedans qu'ils avaient mis qu'il y avait genre 0,2% de jus. Ouais. Non, 2% de jus. Contient 2% de jus, on sait pas ce qu'il y a d'autre. Ils ont fait pareil, ils ont mis de l'eau, ils ont mis un tout petit peu d'arôme de truc, mais c'est pas dégueu quoi, ça va. Bon, dernier truc salé. Ça c'est un truc que j'ai découvert à San Diego, donc c'est un fake dégustation découverte pour moi parce que je le connais. Mais je voulais absolument le faire goûter lui parce que je lui en parle, je pense, à chaque fois qu'on fait les courses à Paris. Ouais. Chips à San Diego, machin. Avec mes copines, à chaque fois pour l'apéro, on prenait ces trucs. C'est des... c'est quoi la marque? Keto Backyard Barbecue. Et c'est vraiment des très 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 bonnes chips. Je trouve que c'est les plus chers, les chips les plus chers du rayon, genre c'est impossible. Mais elles sont vraiment très bonnes. Tiens. En fait, je ne peux être que déçu. Tu peux être que... Ouais, c'est vrai que je t'ai tellement bien vendu le truc que... Allez! Normal le paquet, il a rien à voir avec le paquet. Et par contre, à chaque fois, ces putains de chips, je sais pas vous. Ça c'est le paquet. Est-ce que quelqu'un travaille. Ça, c'est ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un qui regarderait cette vidéo travaille par hasard au packaging des paquets de chips? Si c'est le cas, expliquez-nous s'il vous plaît. Parce que à chaque fois, c'est la même chose. Genre c'est bien moins de la moitié du paquet. C'est un truc de ouf, pourquoi vous faites ça? Vous gaspillez du plastique en fait. Déjà que c'est pas forcément recyclable et tout. En plus, c'est déceptif pour nous. Quoi. Bref, vas-y, goûte. Je stresse. Je stresse comme si c'était mon produit, tu sais. Attends, laisse-moi retrouver ce goût ici. Tu sais, elles sont dures en fait. Ça a le vrai goût de barbecue. Mmh. Ouais. Oh, ça me rappelle sérieusement. J'ai l'impression de manger de la sauce barbecue en fait. C'est bon, hein. Moi, ouais, ça a le vrai goût que ça. En fait. Ouais, elles sont. Enfin, tu sens que c'est une patate quoi. Une patate. Non, mais tu vois, elles sont épaisses et tout, elles sont consistantes. C'est vraiment des très bonnes chips. Je crois qu'il y a cette marque en France aussi. Hein. C'est bon. Elles sont trop bonnes. Mais tous les goûts de cette marque sont genre. Ils ont une moutarde miel, je crois aussi, qui est canon. Ils ont plein de trucs trop trop bons. Si jamais ça se trouve en France, vraiment, je vous les conseille. Si jamais c'est pas le cas, si vous passez aux États-Unis, achetez ces. Ouais, achetez ces chips, ça sont vraiment bonnes. Ah là. On va parler aux autres horreurs qu'on a mangé. Ouais. Je suis content. Du coup, pour ces chips. Mmh. Un bon 8. Un bon 8? Au moins un 10. Un 10, voilà. C'est mes chips fav. Genre sur l'échelle des chips, c'est. Le Graal. Mmh. Vraiment le Graal. Dernière. Maintenant, on va passer au sucré. Ça va être sympa le mélange du fromage, des trucs. Voilà. Ça va être très mauvais. Alors. Sucré, du coup, on a pris pas mal de merde, mais j'ai pas tout ce que je voulais. Je voulais aller faire un tour dans un magasin de bonbons. C'est on a pas eu le temps de le faire, ouais. Ouais. On commence par quoi? Dis-moi ce qui te tente le plus. Bonbon. Tout de suite là? Non, tu veux quoi? Des céréales? Il stresse. On va tout goûter de toute façon. Oui. Céréales. Vas-y, je te laisse présenter ces magnifiques céréales. Lucky Charms. Magical Unicorn. Avec des marshmallows. Tu sais, c'est des trucs très connus, genre trucs que tu vois dans les films américains où les petits, quand ils se lèvent, ils prennent leur bol. On n'a pas de lait, hein, donc on va bouffer ça un peu comme ça. Je pense que ça va être hyper sucré. Ah, j'ai une chips au barbecue, là, juste là. Putain, là, c'est rempli, tu vois. Ouais. Mais ça donne pas envie. Non, mais je pense que c'est vraiment pas la même chose quand t'as du lait. Prends-moi une petite poignée. Ça sent quoi? Ça sent les cornflakes.
Prends une petite poignée. Une petite, on a dit. Bon, une histoire. Ok, donc en gros, c'est des petites céréales. J'ai vraiment ce truc au barbecue qui est en train de me tuer. Donc, c'est des petites céréales et vous avez des petits marshmallows qui se perdent, mais effectivement, ils sont tout durs. Je pense que ça change tout, ça change l'anglais en fait. T'es dans le mood anglais. Ah, ça, j'ai vu la couleur de ta langue, ça a l'air tellement chimique, t'es devenu vert. C'est non, pas que c'est chimique, c'est que c'est sucré. Mais même juste les cornflakes, elles sont sucrées de ouf. Donc, j'ai une boule de sucre. C'est du sucre sur pâte, quoi. Ils donnent ça aux enfants. Mais c'est malade. Mais c'est gluten free. Mais à chaque fois, ils mettent ça partout. C'est juste 3 tonnes de sucre, mais bon, c'est gluten free, donc c'est bon pour la santé. Ah, mais non. Ah, mais c'est dégueulasse, ces marshmallows. Mais c'est hyper sucré, quoi. On dirait de la pâte de sucre, mais ouais. Genre qui s'évapore dans ta bouche, en fait. C'est pas ça. Ah ouais, c'est super sucré. Mais si vous aimez vraiment vraiment le sucre, c'est genre le rêve pour vous. Mais je pense que le matin tu manges ça, tu meurs quoi. C'était mauvais pour la santé en plus. Ah mais c'est... Alors, non mais moi je mettrais... Enfin sur l'échelle du sucré, c'est pas bon, mais tu vois des céréales en général, des trucs comme ça, tu sais, un peu chimiques, genre les Kellogg's et tout, c'est vraiment bon quoi. Moi je mettrais un 5. Bah non, moi je mets 3. Enfin, moi je mets 5. Tous les cornflakes, enfin, tous ça qu'il y a, il y a des trucs tellement meilleurs que ça. Ouais, mais il y a des jours, je pense, quoi. Où quand t'es un peu tristounet, un petit bol de Lucky Charms, ça fait plaisir, tu vois. Non. Tu peux manger autre chose. Oui. Tu peux manger une salade de fruits, tiens. Donc, on va passer. Vas-y, passons aux Oreos. Allez. On a trouvé des Oreos. C'est quoi déjà? Ah oui. Noix de coco. Des Oreos à la noix de coco. Alors, il y avait plein de trucs. Il y avait des Oreos à la menthe, Oreos à quoi? Ouais, à la menthe. Je sais que j'ai. Enfin, on sait déjà que c'est mauvais. C'est parce que ça doit être très chimique. Il y avait des Oreos à quoi d'autre? Il y avait plein de trucs. Des Oreos double portion au milieu, là. Et il y avait. Ce que j'adore, toi. Dans des cacahuètes. Ah oui, il y avait peanut butter. Mais je pense que c'est le truc. Déjà avec l'Oreo de base, c'est un peu fat. Ça sent bon. Ah, ils sont tout fins. Ouais. Ça sent bon, hein, ouais. Ça sent l'Oreo quoi. Ils sont tout fins. Je sais pas si vous voyez. Putain, pour une voix. Ils sont vraiment très fins parce que même le gâteau noir est très fin. Toi. Mais du coup, je pense que la coco, tu vas la sentir très très loin quoi. Ça sent les gâteaux à Tunis aussi. Putain, c'est presque léger, tu sais. C'est pas mal, franchement. Le mec aime pas les Oreos en plus. Ah ouais? Enfin, pas c'est écœurant les Oreos de base. Non, mais moi j'aime pas, enfin, pas plus que ça. J'en mange un temps, vraiment, quand on tourne tout seul là-dedans. Non, ça va. Tu sens la coco, c'est quand même très délicat, quoi. Ça va, ouais. Ah, j'adore, j'aime beaucoup. Non. Ouais. Ah, c'est très bon. Enfin, c'est bon. C'est un bon goût, quoi. C'est un bon goût. La cuillère, ça va être pas mal. Même sans lait. Oh, mais c'est tellement addictif cette merde. C'est le genre de truc pareil, t'en prends un, t'en prends 12 quoi. Ah, mais oui, c'est des fins. Ah, bah oui. Donc, c'est juste écrit en gros. Ouais. Ça, moi je mets un bon 8,5 quoi. Juste pour te dire qu'il y a un truc pour ouvrir. Ah, oui, il y avait une ouverture facile. T'as dit donné 8? Ouais, 8,5 je pense. Franchement, j'aime beaucoup. Moi 8, pas 8,5. 8. Ouais, mais très bon. Ouais, vraiment, c'est pas mal. Très bon en plus, le fait qu'il soit fin. Je sais pas si ça existe en France les fins. Parce que les Oreos, à chaque fois, le truc c'est bon, mais c'est tellement fat que t'as très vite envie de vomir. Tu l'ouvres en deux, tu manges qu'un côté, l'autre côté, ouais. Quoi. Non, moi je mange tout. Mais... Toi. Attends, il y a des Reese's. Attends, il y a aussi ça. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas ça? Tiens, je te laisse présenter ton truc chelou. Du coup, j'ai choisi le Tropical Carotte. Oh mon dieu. Bah, je m'y ai trouvé des trucs bizarres, je fais des trucs le plus chelou qu'il y avait. Ah oui, mais des trucs bizarres mais qu'on pourrait boire, tu vois ce que je veux dire? Franchement. Regarde la couleur du truc, je sais pas si tu... Tu me dirais c'est une couleur de carotte en fait. Bah ouais, c'est... Bah, non, mais c'est orange et rouge et... C'est très bizarre. Il est censé avoir de la carotte, de la fraise et du kiwi, je crois. Okay, laisse-moi boire ça en attendant. Allez, vas-y. Bah, c'est vrai, il y a 25% de jus là-dedans. Ouais, ça va. Ça sent quoi? Bah, le jus de fruits. Ouais, ça sent le multivitamine chez Lidl, ouais. Quoi. Enfin, ouais, le multivitamine que t'achètes depuis que t'es petit. Ouais, ok. Mais je pense que ça a une petite odeur de carotte en plus. Enfin, moi j'aime pas la carotte, enfin j'aime que les carottes râpées. Relou. C'est pas une carotte. De petits bruits, t'es.
Pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, bien le bonjour. On va faire de l'ASMR bientôt. Ça c'est sucré. Hein. Ah bah oui. Ah, c'est pas mal. Mais c'est un goût de jus multifruit quoi. Mm. C'est con vu que c'est un goût de carotte. Non mais c'est ça en fait. Ça a juste un goût de jus avec tout dedans. Avec tout. Tu sens ni la fraise, ni le kiwi, ni la carotte quoi. Il y a un goût de tout. Pas grand intérêt. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, c'est un jus. Ouais. Par contre, pourquoi en verre comme ça? C'est super lourd. En termes de packaging, oui, c'est vrai. Bah, je peux dire que c'est bon. Je sais pas. Combien tu mets à ce mystique tropical carotte? Elle est quand même très sucrée. Ouais, c'est très sucré. Il m'a piqué la gorge quand même. Tu vas avoir besoin d'eau. Franchement, il est marqué que c'est excellent en vitamine A et C, si tu veux. J'y crois pas une seconde, vu qu'il y a que 25% de jus, mais bon. Je donnerai. Oh putain, 250 calories. Oh, par bouteille, c'est genre du coca le truc. C'est pour ça que je dis que c'est pas possible qu'il y ait autant. Bref. 7. Ah ouais, carrément. Ouais. Moi je mettrais un 5. Parce que c'est pas un truc que j'aime boire, ce genre de truc quoi. Mais moi c'est par rapport à ce qu'on s'attendait à boire, non? Ouais, non. Mmh, ouais. C'est non, mais ne te justifie pas, mais... tu as le droit d'aimer. Hein, je sais, tu connais le 7. Tiens, bois. Place au music. Tu connaissais toi ça? T'as déjà goûté? Je crois qu'il y a très longtemps. Du coup, je l'ai pas souvent du tout. Ok. Les Reese's, les gars, c'est le truc de base des États-Unis, c'est le truc le plus fat au monde. Genre, c'est un biscuit de beurre de cacahuète. En fait. Allez. Non, vas-y. T'as pas la salle pour rien. Ok. Elle non, mais. Je suis fatiguée. Ouais. Elle va plus. Ah, tu galères! Non, ah bah! Bah non, toi tu peux, mais je vais faire un massacre. Ouais, c'est ça! Tu veux faire ça? Ouais. Ah, même. Ah putain, mais ça sent le beurre de cacahuète. Ça sent le beurre de cacahuète dans un sachet. Ouais. Par contre, en termes de. Ouais, de plus de. Toujours plus de bassin. Ah, par contre, je pense qu'on a un pour deux en fait. Ok, vas-y. Il y a combien de calories là-dedans? Ça m'intéresse. C'est gluten free! Encore une fois! Tout est gluten free tout à l'heure. Non, mais c'est bien pour les gens qui sont allergiques, tu me diras. Tiens, enfin intolérants. Tiens. Moi j'aime bien ça, mais c'est juste que c'est vraiment oh, fat. Putain. C'est pour ça, ça valait mieux en faire un pour deux là, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça se trouve en France maintenant, dans ouais, quasiment tous les supermarchés, je crois. Putain, mais ça sent genre là, tu sais, quand tu ouvres le pot de beurre de cacahuète, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un biscuit au chocolat et en fait. Dedans, c'est que du beurre de cacahuète. Ah bah oui, effectivement. Bien. Ouais. Je sais pas si ça fait exprès ou pas que ce soit ouvert, mais. Ouais, donc c'est un biscuit, à l'intérieur, il y a du beurre de cacahuète quoi. J'adore ce truc. Mais c'est dur en fait. Oh putain. Putain, mais c'est grand. Punaise. Ah, c'est écœurant. Uber fat. Toujours plus sucré. Moi je connaissais les plus petits là. Mmh. Parce que les grands comme ça, c'est vrai que c'est un peu. Ah, c'est très écœurant en fait. Mmh. On fait ça salé. Rien. Il gaspille pas, c'est ça? Non. Infini. Moi c'est salé et sucré en même temps du coup. C'est pas, en soi c'est pas mauvais, tu t'attends à ça, c'est. C'est juste hyper fat bon. Quoi. En vrai c'est bon. Mais t'en manges un, t'en manges pas du coup. Moi j'en mange qu'une moitié mais non. Mais encore. Alors. Je mange une carotte, ça va. Je vais garder mon petit thé un peu plus. Si du coup les Reese's, moi j'aime bien, mais effectivement, enfin j'aime bien les petits. Ils en font à peu près dans tous les trucs, t'en as des minuscules en mode Smarties, t'en as des moyens dans les trucs. Genre moi ça je mets un bon 8, si t'aimes le beurre de cacahuète ouais. Naturellement, si t'aimes pas le beurre de cacahuète, n'essaye même pas ce truc, tu vas vomir je pense. Ouais moi aussi. Ah, moi je mets 8, parce que j'ai tant que je m'attendais en fait. Bah ouais. Donc en fait c'est bon. C'est juste ouais. Tu manges ça. Ah. Combien de calories? Un truc, 110 calories. Je pense qu'entre tout ce qu'on a goûté là, on arrive aux calories qu'on doit avoir en une journée genre. C'est bon. Putain, un truc 110 calories quoi. C'est énorme. Les bonbons. Ah si, du lait. Ok, bah n'importe quel. Ok. On teste les Rainbow Nerds. Attends, ouais, à mon avis, il y a une ouverture facile parce que je sais pas si ça part en. Ah ouais, c'est vrai. Si je l'ouvre par là, j'en fous partout dans la journée. Ouais, c'est ça, ça serait un peu. Oh, j'ai envie de. Je commence à avoir envie de vomir. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, y'en a beaucoup. Ah bon? Tu crois? Attends, vas-y, mets sur ma main. Viens mettre un doigt. Oh, c'est mignon. Okay. Ah ouais, quand même. C'est des bouts de sucre. C'est des bibis bonbons.
C'est tout ça pour moi là? Non, c'est pas nous. C'est ok. On est là quoi ça ressemble. Mais il y a écrit ce que c'est en mode il y a des goûts ou c'est quoi? Ah, crunchy candy. Mais là par contre, c'est ça le goût à quoi? J'en sais pas. Tiens, bon, vas-y, on va découvrir. Tiens. Attends, il va manger ça maintenant. Ça crépite un peu. Ah ben c'est un truc que je connais. Un truc qui est comme ça, oui. C'est le même goût que les colliers que tu manges. Ouais, grave. Ah, c'est grave. C'est le goût des colliers. Mais ça, mais par contre, ça pétille. Enfin, ça... En vrai, c'est un mélange entre les colliers là qu'on bouffe et le truc. Alors, je sais pas si vous connaissez, si toi-même tu connais. Le truc, genre, c'est une espèce de sachet avec une sucette. C'est que tu trembles dans le truc. Et ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça pétille. En fait, c'est un mélange de ces deux trucs. Ouais. Non, mais merde. C'est bon. Du coup. C'est acidulé aussi. Mais y a plus... En fait, je crois que chaque truc a un petit goût différent. Mmh. J'aime beaucoup, moi je mets un 8. Moi un 7, parce que je n'aime pas trop ça. Ouais, il n'aime pas trop les bonbons, mais moi j'adore ça. Oh, à mon avis, quand je vais appuyer sur le truc pour couper le... Et je vais sauter sur des chips en fait. Bon, c'est le cheddar, bien sûr. Ah non, sûrement pas. Je vais vomir, je pense, en voyant tous les trucs à côté là. Ok. On va tout manger avant lundi. Hein. Ouais, on a deux jours pour tout finir, mais non, on va les donner. Ouais, c'est trop bien. Dernier truc, Sour Patch. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons. En gros, c'est des nounours qui piquent quoi. Des nounours qui piquent quoi, ça a une crème encore plus chimique que ceux qui ont. Ouais, en fait, c'est la couleur qui te fait ça. Ils sont hyper vifs. Si vous voyez la bonne couleur, ils ont une couleur très ouais. Artificielle. C'est vrai que ces lunettes pourries. Ah, c'est vrai, oh le pauvre. Oh, à cause de moi! Qui cache la lumière, je les vois genre fluorescents. Ouais. Moi, les bleus, souvent, c'est les meilleurs. Ils ont le goût de framboise. Ouais. De blueberry? T'as pas l'air pour un coup? Bah. C'est une consistance bizarre. C'est trop chimique. En fait, c'est bizarre, ça a le goût de schtroumpf. Qui pique? Ah ouais. Pff. Bah, qui pique? Ça pique pas. Non, ça pique même pas. C'est très acide, mais ça sent. Ouais. Mais c'est extrêmement chimique. Hein. Mais la consistance est très bizarre. Ouais. C'est hyper mou, chelou. En fait, c'est entre le mou et le gélatineux. Mmh. Ouais, c'est une gélatine, mais quand tu mords dedans, ça devient tout liquide. Ouais. C'est presque liquide. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je mets un 5. J'aime pas trop. Enfin, c'est pas incroyable. Ouais, moi je mets 5,5. Eh hey. Quoi? Genre tu veux te démarquer de 0,5, genre au-dessus ou en dessous, genre je suis pas du même avis, une petite nuance. Voilà, donc 30 minutes plus tard, 17 doses de cheddar ingurgité, 350 calories bu, que du tu sucre veux. Et du sucre, du sucre, du sucre, du sucre et des boutons qui m'ont apparu sur notre visage. Ouais. On va vous laisser, on va aller boire de l'eau, lui je crois qu'il va finir de bouffer parce qu'apparemment il y a certains trucs qui l'ont pas mal plu. Moi je vais aller vomir tranquillement et je vais aller me désaltérer avec de la bonne eau ou du robinet, ça va être sympa. Oui. Très très bonne idée je pense aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi. Ça serait cool, ça serait con que ça, qu'on se soit mis malade pour rien. qu'en fait vous détestiez. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça nous ferait très plaisir, même toi qui c'est ta grande première en vidéo, donc du coup la personne est un peu timide, un peu... non pas timide. Mais c'est toujours bizarre je pense. C'est étrange. C'est étrange de parler seul face à une caméra. Ouais, donc... je sens court. Tu vois, finalement, c'est pas... J'aime bien que c'était facile. Hein. Ouais. Donc n'hésitez pas à rassurer monsieur et moi par la même occasion, si jamais la vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire et mettez un petit like. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo de dégustation vous plaise, parce que moi j'adore la nourriture. On peut se le cacher, ça se voit. Qu'est-ce qu'il y a? T'allais dire quoi? Rien du tout. Et du coup, c'est vrai que je pense pas forcément tourner ce genre de vidéo sur ma chaîne parce que ça sort un peu du contexte habituel de la mode, la beauté, les voyages et tout. Mais pour autant, je pense que ça peut être rigolo de le faire de temps en temps. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le en commentaire, on vous le fera peut-être ensemble encore. Bon, on verra si ça leur plaît. On verra si déjà ça vous plaît. Le mec est difficile, le mec est compliqué à convaincre. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup. Ciao.